présent tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien avec ce merveilleux temps. Il fait un temps merveilleux. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 26, voyons voir, vendredi. Oui, c'est ça, Friday. Hein? Ah, si. Friday. Il n'y a pas d'anniversaire à souhaiter, voilà. Hein? Et alors, c'est la Saint Alida. Pas d'Alida, hein. On retire le D. Et alors du coup, ça fait Alida. Voilà, moi j'adorais d'Alida. J'adorais. Hein. Laissez-moi danser en liberté tout l'été. Enfin, tout l'été pour l'instant, hein, la cigale et la fourmi, hein, c'est ça. La cigale, elle a chanté tout l'été et après, maintenant, elle n'a plus rien à bouffer. Hein, c'est ça. La cigale, Nina Jardina, n'importe quoi. Ça commence. Alors, on se retrouve. Alors là, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez pris une tisane, là. Une tisane, un chocolat chaud, un café. Parce que de ce temps-là, voilà. Hein, c'est pas maintenant qu'on va se boire un petit truc comme ça, un petit cocktail, un petit machin dehors sur l'herbe avec des chouips. Non, c'est pas tout de suite qu'on va faire ça. Ce qui fait vraiment un temps pourri. Alors donc vous prenez une boisson chaude, hein, un petit biscuit, un petit truc, et donc soyez prêts parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu de colis, hein, de Pascal. Cela dit, Pascal elle est en deuil, elle a perdu son petit frère et donc je t'envoie encore toutes mes pensées amicales. Évidemment, je sais par quoi tu passes parce que ben voilà, quand on perd quelqu'un qu'on aime, un proche et tout ça, c'est très difficile. Donc voilà, je pense à toi chaque jour. Donc voilà, et puis c'est comme à Régine, hein, Régine qui vient de perdre son mari, tout ça. Voilà, c'est dur, les périodes de deuil sont très difficiles. Alors donc du coup, voilà. Et bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors donc, je m'attendais pas du tout à ça, pas du tout. Non, pas du tout. Et quand la factrice a manivré, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc voilà, on y va. Et donc du coup, j'ouvre le courrier avant de faire un tuto. Ah si. Je commence par le courrier et ensuite je ferai un tuto. Si j'ai encore de l'énergie. Voilà. Allez, on y va parce que je me demande bien ce qu'elle a pu m'envoyer. Elle a dû faire des créations pour se détendre, se changer les idées, j'imagine, pour se faire du bien, quoi. Hein, ouais. Parce que vraiment, le scrap, en tout cas, pour moi, c'est une thérapie. Hein. C'est une thérapie, ça m'aide à plein de choses, plein de choses. Ça me détend, il y a des choses, ça m'oblige à me calmer, ça m'oblige à me... Le scrap, c'est... Enfin, comme toute activité, d'ailleurs, hein, que ce soit n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir une activité dans la vie, hein, même si c'est aller marcher, faire du sport. voilà, parce que quand ça va pas, on se met dans ce qu'on aime faire, on fait ce qu'on aime faire tout de suite et ça va mieux. Hein. Je sais pas, ça peut même être regarder des films à la télé, hein, mais regarder une série, je ne sais rien. Mais les activités, il y en a des milliers. Hein. Voilà, et moi, c'est le scrap, hein, ou sortir mon chien. Ça me détend, voilà. Ou me mettre au scrap, hein, faire des vidéos, et comme ça, ça fait du bien, un bien fou. Hein. Ça permet de s'évader autrement, voilà. Et voilà. Alors, donc, du coup, voilà. Alors, on y va. J'espère que ça va aller. Donc, j'aime bien parce qu'elle m'a mis son tampon. J'aime bien cette fille-là qui tombe, là, vous voyez. Elle a les fesses en l'air. Enfin, les pattes en l'air. Et elle met hello, bonne réception, au sens propre et au sens figuré. Hein. C'est ça. Elle va se faire mal ou derche, hein, la petite. Hein, la petite cocotte, hein. On s'en fout, c'est pas le nôtre. Alors, donc, nous allons ouvrir ce gros carton qui est bien sûr très lourd. Très très lourd. Donc, voilà, on y va. Hop, je vais mettre ça par terre, comme une sauvage. C'est quoi ? Il y a à manger. Si, il y a à manger. Ouh, il y a à manger. J'ai le droit, hein. Si, elle a dû aller en Italie. Hein.
On allait faire un tour, naninanina, on s'en ira tous deux danser la nananana, Calypso en Italie. En catimini. On s'en ira tous deux la nuit danser le calypso en Italie. C'est des gâteaux, hein, des petits biscuits justement, hein, ça va très bien. Je vais peut-être faire une pause, les petits biscuits italiens, ils sont à la quoi? Ils sont pleins d'énergie, il y a marqué. Ils sont pleins d'énergie, hein, au butter. Hein. C'est des petits biscuits au beurre, hein. C'est marqué en anglais, mais je sais lire l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, le japonais, le russe aussi. Je sais parler toutes les langues, l'ukrainien, je sais tout chanter. C'est tout chanter et tout parler. Quand c'est question de bouffe, hein. Vous regardez l'image et vous pouvez tout à fait comprendre que ce sont des petits biscuits zobeurs, qui allument la lanterne. De la lanterne. Castenanana de la lanterne. C'est très joli, ça doit être beau l'Italie. Je suis jamais allée en Italie. Un jour j'irai en Italie avec toi, danser toutes les nuits avec toi. Vous avez compris quoi. Oh non, ça commence. Ah, je regarde, il y a des choses à manger. Je commence par les choses à manger. Des gaufrettes à la vanille. C'est très bon les gaufrettes. Hein. Les gaufrettes. C'est bon les gaufrettes. Hein. Oh là 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 là. C'est croustillant les petites gaufrettes. Hein. Eh bien, on va se régaler. Hein. Enfin, on. Moi et le chat. Parce que Joy, lui, il n'a pas loin. Mais je partage avec Roubouille. Quand je mange des petits gâteaux, il adore ça, les petits gâteaux, Roubouille. Il adore ça. Ouais. Il vient m'en piquer, mais j'aime bien, je partage avec lui. Avant, je partageais avec mon jeune, mais non. Et ça, c'est aussi des gâteaux. Hein. C'est à la quoi? À la des sucres de canne. Hein. C'est au sucre de canne et aux amandes. Hein. Oh là là, de l'amande de Sicile. Hein. Mais si, regardez. Ça doit être très très bon aussi. Hein. Ah, ça fait penser à des petits... comment on appelle ça chez nous? Des petits macarons, non? Non, des... ça, vous savez? C'est des macarons, mais pas des macarons de la durée. Non, vous savez, des macarons à l'amande, là. Je crois que ça s'appelle macaron. Hein. C'est vachement bon, ça. Hein. C'est super bon. Hein. Voilà. Avec des amandes de Sicile, du sucre de canne, et puis quoi d'autre, la troisième chose? Et des œufs italiens. Hein. Des œufs italiens. Je ne sais pas pourquoi ils insistent sur le fait qu'il y a des huevos italiens. Hueva, voilà, des œufs italiens. Avec des poules élevées en pleine nature. Voilà, des œufs frais, quoi. Ça doit être très bon. Hein. Oh là là. Oh, attends, je regarde s'il y a encore des choses à manger. Si, il y a encore des choses à manger. J'ai le droit, hein. Je commence par qu'est-ce que je veux. Des bonbons à la menthe. Ça, c'est à la menthe, non? Il n'y a pas sans aspartame. Eh bien, tant mieux. No sucre et no aspartame. J'ai horreur de l'aspartame. Je trouve ça un goût, moi. Je préfère manger des trucs au sucre. Voilà, au sucre. Ou pas. Moi, c'est vrai, je ne suis pas trop sucre, moi. Enfin, je ne suis pas trop sucre. N'importe quoi. Non, ce que je veux dire. Le sucre, les morceaux de sucre comme ça. J'en mets pas dans le café, j'en mets pas dans le chocolat, encore moins dans le chocolat. Pas dans le thé, j'en mets pas de sucre. Je rajoute pas de sucre. Je n'ai pas chez moi de sucre. Non, je n'ai pas de sucre. À part les bonbons, les chocolats, les gâteaux. Sinon, je n'ai pas de sucre. Non, c'est d'ailleurs, c'est vrai que si je me dis si quelqu'un venait chez moi, bon, il n'y a personne qui vient, mais si quelqu'un venait chez moi et voulait du sucre dans son café ou dans son truc, ben. Ah, si, j'ai du sucre en poudre pour la pâtisserie. Ah, bah, si, bon, je pourrais mettre du sucre en poudre. Les sucres en morceaux, j'en ai pas. Non. Et pourtant, j'en ai consommé du. Et je pense que les enfants de ma génération. Bah tiens, encore un souvenir. Enfin, en tout cas, je pense que je ne suis pas la seule à avoir ces goûters-là. Manger des morceaux de sucre comme ça. Manger des morceaux de sucre. Du pain et du sucre. On mettait les morceaux de sucre. On mettait les morceaux de sucre dans le pain et on mangeait le pain et le sucre. Qu'est-ce qu'on en a mangé? Et alors, quand j'allais. C'est moi qui allais faire les commissions. Ça, avec les tickets des consignes de vin. C'est vrai en plus. C'est vrai. Et alors, au cop du coin, et c'était un petit cop. C'est un cop. Et alors, je crois que c'était Cop, la marque du magasin.
Les coopérateurs, quoi. Et alors, c'est vieux les coopérateurs. Hein. Je pense que ça fait partie des toutes, toutes premières boutiques modernes, on va dire, qui a existé, les coopérateurs. Hein. Ah si, c'est drôle. Et alors, donc, il y avait le numéro 3 et le numéro 4. Et alors, chez nous, on prenait du numéro 4. J'avais pas intérêt à me tromper. Le numéro 4, c'est simple pour savoir. Parce que, vous savez, je me demandais pourquoi il y avait un numéro 3 et pourquoi il y avait un numéro 4 dans le sucre. J'ai mis longtemps, longtemps, longtemps. Parce que je suis un peu autodidacte dans toutes les choses. Même dans les choses comme ça, aussi idiotes que ça. Pourquoi numéro 3, pourquoi numéro 4? J'ai mis hyper longtemps à comprendre. C'est parce que dans les rangées de sucre, il y a la ligne, elle est divisée en 4, ça fait 4 petits morceaux, ou 3, 3 grands morceaux. Soit en 3, ça fait 3 grands morceaux, soit en 4, ça fait 4 petits morceaux. Enfin, plus petits morceaux. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai, après, parce que quand je me trompais, je me faisais engueuler. Hein. Ouais. Ah bah si, c'était le numéro 4, absolument numéro 4, les plus petits morceaux. Voilà. Voilà. Parce que sinon, les grands, il fallait mettre un et demi dans le café. Alors que les numéros 4, il fallait en mettre 2. Ça vous intéresse pas? Non, c'est inintéressant. Enfin, non, je crois pas. Je crois pas que c'est inintéressant. Je pense que c'est des trucs qui nous ont marqués. Moi, ces genres de choses, vous savez, ces trucs banals qui m'ont marqué. Le sucre. Les sandwichs au pain et sucre. Des sucres comme ça. Mon vieux, quand j'avais. Enfin, mon beau-père, là, la saloperie, là, quand j'avais mal au ratiche. Le dentiste, il n'existait pas à mon époque. Non, il n'y avait pas de dentiste, ça n'existait pas les dentistes. Et donc, du coup, quand j'avais des rages de dents, il me donnait ce qu'il appelait un canard. Il me donnait un sucre avec de l'alcool dessus. Alors, lui, il buvait beaucoup de rhum, des trucs comme ça. Moi, c'était du rhum. Il mettait du rhum dessus et il me mettait ça sur mes dents. Donc, c'était tellement agréable, ça faisait tellement du bien. Tellement du bien. Oh, c'était horrible. Je pétais la tête contre les murs. Hein. Et en fait, c'était pas pour soulager la dent, en fait. Non, non, c'était pour c'était un anesthésiant, quoi, l'alcool. C'était surtout pour l'alcool. Comme ça, voilà, quoi, j'étais groggy, quoi. Ça remplaçait un. Mais si. Bah si. C'est horrible. C'est horrible. Maintenant, quand j'y pense, je me dis. Enfin, bref. Donc voilà. Hein, si vous aussi, vous avez des souvenirs avec les morceaux de sucre, le sucre, les sandwichs au pain et sucre, hein, eh bien. N'hésitez pas, hein. Je me sentirai moins seule. Voilà, ça me fait éternuer. Donc ça, c'est des petits bonbons à la menthe, non, j'imagine. C'est pour randonner, hein. On les consomme quand on va randonner avec mon petit loulou. On prend ça et puis ça nous donne de la fraîcheur et ça nous aide à continuer, hein. C'est à la menthe sucrée, mais sans sucre. Ah si, c'est ça. Je goûterai. Mettre ça dans ma quand on pue de la quand on pue de la souche tu sais pue de la souche non elle m'a fait une jolie ma patouilleuse je retrouve ma patouilleuse préférée regardez c'est beau hein, ce qu'elle a fait c'est joli elle a travaillé sur le noir là elle a sûrement un pochoir de jolies fleurs c'est très beau très beau très beau alors je vais lire Alors, je sais pas, elle m'a dit, t'en feras ce que tu veux. Bah, de toute façon, de toute façon, tu sais bien. Je sais pas ce que c'est dur, hein, c'est dur, c'est mou, c'est dur. Non, c'est dur. C'est dur et c'est dur, dur, quoi. Je sais pas, elle m'a dit, si t'en as l'utilité, tant mieux. Si t'en as pas l'utilité, t'en fais ce que tu veux. Eh bien, nous allons voir cela. Hein, nous allons voir cela. C'est quoi? Oh, c'est un joli livre. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais mettre ça par terre. Les papiers par terre. Les fourmis en l'air. 5, 8, 9, 7. Un petit papillon noir. 0, 0. Il y a un 0, il y a un 5, un 8, un 9, un 7. C'est un code. C'est un code. Elle m'a fait une jolie patouille. C'est elle qui l'a fait. Hein. J'en suis sûre et certaine. Un petit livre. Regardez que c'est beau. Regardez comme c'est joli. C'est très beau. Très joli. Alors, un papillon. Et là, oh, c'est joli ce qu'elle a fait là. Elle a fait un tamponnage là, le visage là, c'est très joli. C'est beau ça, c'est doux. Hein. C'est du serviettage, elle a fait du serviettage sur la première page qui va avec la couleur de ses patouilles. Ça fait joli, hein. Ça fait trop beau.
Et alors, qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Ah oui, c'est pour écrire des choses ou faire des patouilles. Ou... Oh, c'est joli. Là, elle a fait une... Alors, donc, elle m'a laissé plein de place. Entre... Elle a décoré... Elle a fait des intercalaires. On va appeler ça des intercalaires avec des jolis... Vous voyez, là, c'est... Hop, elle a fait une papier texturé comme ça, avec des empreintes et tout, des tamponnages en dessous et tout. Ça fait super joli. Ça fait un bel effet. Là, donc là, tout ça, c'est pour moi. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Hein. Je vais l'emmener, tiens. Je vais partir quelques jours, hein. J'ai le droit. Je suis fatiguée, moi. Un petit cœur, c'est doux, ça. Voilà. Hop. Et ça m'a fait une belle patouille dans les tons bleus, comme ça. C'est très beau, le cœur, là. Hop. Et là, il y a une... Hop là. Oh, il y a un joli tag. T'es tout mignon. Hop là. Vous voyez, elle a collé deux pages pour faire une pochette. Hein. Elle a fait un joli tag. Eh ben tiens, je pense que c'est les... Ah ouais, ça ressemble. C'est même à peu près. Un joli tag comme ça avec les petites fleurs, les marguerites. C'est très beau. C'est très beau, hein. Très beau. Et puis, toujours ces petits... C'est de la... C'est comme des bouts de laine, là. Comme des... C'est trop joli. J'aime bien ce qu'elle fait. Enfin, ça, vous le savez que j'aime bien ce qu'elle fait. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. J'aime bien. Comme... voilà. J'aime bien, c'est parce que c'est un style, voilà, c'est un style qui n'appartient qu'à elle. J'aime bien les personnes qui ont une identité comme ça, qui ont, voilà, toutes les personnes qui ont leur propre style, j'aime bien, moi. Même si il faut pour se connaître soi, il faut toujours s'inspirer. On s'inspire, hein, elle s'est sûrement inspirée. Enfin, je pense qu'elle s'est inspirée un jour de quelqu'un. Hein. Enfin, je sais pas, je ne lui ai jamais demandé. Non, je lui ai jamais demandé. Bah tiens, je te le demande. De qui t'as pu t'inspirer pour avoir pour trouver ton style? Parce que même inconsciemment, on s'inspire de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. C'est obligé. Hein. Enfin, je crois. Hein. Parce qu'on invente. Enfin, ou alors, c'est qu'on est, on est un inventeur, on est un précurseur de quelque chose. Et là, par contre, là, il faut déposer des brevets. Mais sinon, on s'inspire tout le temps de quelqu'un, hein, d'un artiste quelconque, même si c'est un artiste qui n'est plus de ce monde. Hein. Et Picasso, hein, la dernière fois, moi, j'ai fait une carte, je me suis inspirée de Picasso. Hein. J'avais le droit, je m'inspire de qui je veux. Hein. Voyez, je ne lui ai jamais demandé de qui elle s'est inspirée, d'une artiste quelconque. Vous voyez, Frida Kahlo, par exemple. Quand c'est très coloré et tout ça. Enfin bon, voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Hein. Et il n'y a pas de honte à s'inspirer, hein, au contraire. Hein, au contraire, hein, c'est vraiment génial parce que, on s'inspire et puis on expire sa propre personnalité dans... Je trouve ça génial, moi. Et on y ajoute ses touches personnelles et on devient unique. Et voilà. Donc, voilà. C'est très joli. Ces personnages non colorisés qu'elle met sur des patouilles très, très colorisées. J'aime bien ce style, son style. J'aime bien ça. J'aime bien, voilà. Je trouve que c'est sympa, c'est original, c'est sympa. Donc voilà, les serviettages. Ouais. Elle est belle, cette serviette. Elle est magnifique. Le feuillage rouge, là, c'est très beau. Ouais, mais vous êtes tellement nombreuses à avoir de faire des choses. Oh, chaque fois, oh, je sais, je le dis tout le temps. Je sais, mais vous êtes tellement pleines de talent. Regardez, c'est original hein, ce qu'elle a fait là en plein milieu. Hein. Et là, ça fait comme un shaker. Elle a mis un. Ah, j'avais. Ah, j'ai vu une. Eh ben, ça, ce qu'elle a fait là, c'est un shaker. C'est comme un shaker. Vous voyez, elle a pris deux pages. Elle a plastifié. Ça, c'est digne de l'art journal, ça. C'est digne de l'art journal de faire ce genre de choses là. Elle a utilisé deux pages. Elle a décoré celle du dessous. Elle a mis un plastique, un vellum, un rhodoïde. Et puis, pour piéger ce qu'elle avait fait dans la page d'en dessous. Hein. Et puis, elle a fait un cadre comme ça sur la première page. C'est vraiment digne d'art journal, ça. Ça, j'ai vu une... Alors, pas comme ça, hein, parce que là, c'est... J'ai vu des démonstrations d'art journal comme ça. J'aime bien l'art journal, c'est beau, c'est un bon défouloir ça aussi. C'est beau ce que tu as fait. Le petit papillon, la marguerite et tout ça qui est piégé là-dedans, c'est très beau. Il rompt mon amour. Et le cœur, il y a tout, hein. Je vois le cœur, le papillon, la marguerite. C'est très beau. Et la petite dentelle qui est prise dans... Voilà, c'est très joli. Hop. Et là, son petit personnage, elle a mis quelques couleurs de-ci, de-là, orange par rapport à sa patouille. Voyez, la petite couronne.
Et donc, dans la pochette qu'elle a fait, elle a mis un joli tag, hop, avec un tamponnage de baies, des petites baies noires comme ça, et puis des touches argentées sur certaines baies. Et puis, toujours pareil, sa petite laine, là. Et voilà, et tout le reste, c'est pour... Ah non, il reste encore une. Ah bah tiens, c'est celle qu'on a retrouvée à peu près vers le début. Ah, une libellule. Hein. Une libellule, ça me fait penser à mon papa. Ouais, ça m'y fera toujours penser, c'est sûr. Parce que c'est... Les signes, moi j'y crois. J'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je lui ai pas demandé, moi je trouvais que c'était un petit peu trop tôt, si tu avais eu des signes de ton frère et tout ça. Bon, après, bon, on n'y croit pas. Hein, c'est... Mais bon, voilà quoi. Alors, donc. Alors, je sors tout ça comme ça parce qu'il y a tout un tas de. Il y a beaucoup de choses. Alors, hop là! Vous doutez bien qu'avec avec Pascal, il y a beaucoup de choses. Alors, une enveloppe qu'elle a réalisée elle aussi. De toute façon, tout est réalisé par elle. Je n'ai pas besoin de vous le dire à chaque fois. Hein. C'est, voilà, c'est quand c'est pas... Regardez ces petits personnages, ces petites jeunes... ces jeunes damoiselles. Regardez comme elles sont trop mignonnes, ces petits tamponnages, là. Ces petites poupettes, là. Alors, j'aime bien celle-ci avec la ceinture de Marguerite autour d'elle. J'adore, je trouve ça adorable. Là, regardez, on dirait les petites filles qui piquent les choses à leur maman, là, vous savez. C'est trop mignon. Ah, c'est des années folles, regardez, les années... regardez, c'était tout mignon. Hein, on dirait les années 30. Les années 30, c'était les années folles, non hein. On adore, hein. Oui, c'était trop mignon. Ah, c'est super mignon. Donc, voilà, elle a fait une enveloppe comme ça avec des velcro. C'est une page de comment. Vous savez, le tissu texturé, là, la toile à peindre. Donc, elle a collé comme ça les côtés et puis elle a mis des velcro pour fermer. Elle est jolie, ton enveloppe, j'adore. Tiens, tiens. Ça me fait penser à ma binôme, hein. C'est obligé. C'est obligé. Bah, dis donc, ouais. Hop là, regarde. Ouais, avec la plume qui est tombée. C'est très joli ce que tu as fait, j'adore. Tu peux le voir, j'ai raté, mais je suis sûre que tu en feras bien. Ah oui, ouais. C'est de ça que tu parles. Bon, c'est rien, ça. Non. Donc voilà, c'est beau, hein, la chouette, là. Le zibou, hein. Elle a fait des branches avec, je sais pas quoi. Hein. Bon, je sais pas, elle a utilisé une matière pour faire des branches, là. Un effet 3D, ça, c'est joli. Ça va, mon loulou? Ça va, mon amour? Mon petit cœur. Donc là, elle m'a préparé des patouilles. Je pense que c'est du serviettage patouillé. Vous savez, la couche qu'on retire là avant de faire le serviettage et qu'elle a colorisé, ça fait super joli. Bien sûr, je peux partager parce qu'elle a signé. Je vous en ai souvent partagé, envoyé des choses, hein, Pascal. Hein, je vous en ai souvent envoyé. Hein. Parce que c'est toujours sympathique de découvrir ce que les autres font. Hein, parce que moi, je trouve que c'est normal de vous faire partager. Ah, c'est rigolo, ça, des petites pastilles comme ça collées. Hop, hein, base de cartes. Regardez, des petits ronds comme ça, collés de ci, de là. Ça, c'est des bandes de papier. C'est des washi, il y a un peu de washi, il y a de la colorisation, il y a un peu de tout. C'est super sympa aussi, ça fait des jolis fonds. Hein. Super original. Je pourrais m'en servir, tiens, pour faire mes sketchs le jeudi, là. Pour m'en servir de base de cartes. Là, c'est dans les tons rouges. Alors, vous voyez, il y a la base de cartes et puis après, des bandes de patouille collées comme ça. Voilà, super sympa. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là, nous avons une... Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli. C'est doux, hein. C'est incroyable. Ça, c'est un embossage à froid. Regardez comme elles sont belles, ces fleurs-là. Magnifique. Ah, tiens, ça, je vais m'en servir. Je sais pour qui. Je sais pour qui. Je vais la mettre de côté tout de suite.
Vous voyez, les fleurs, elles sont embossées à froid. Et puis après, il y a eu un peu d'encre de poser comme ça. Elle a pris sûrement un pad. Et puis, enfin, moi, je fais comme ça. Je ne sais pas si elle fait comme ça. Je ne sais rien. Mais elle a pris un pad. Et puis, hop, elle a pris comme ça. Et puis après, elle a posé une couleur gris-noir dessus comme ça, légèrement. Oui. Ça fait ressortir l'embossage à froid. Ça fait joli. J'ai envoyé ça, je sais à qui. Là, elle a fait la même chose. Mais, enfin, pas la même chose, mais elle a patouillé comme ça, des couleurs comme ça dessus. Là, c'est avec des papillons. C'est pareil, elle s'est amusée après à poser plein de choses. Elle a pris le côté... Là, c'est le côté positif, mais elle a pris le côté négatif pour travailler. Elle s'est amusée, quoi. Elle a patouillé, quoi. Elle a fait ce qu'elle aime. Là, les couleurs bleues et mauve. Ça fait très joli, ces deux couleurs-là ensemble. J'adore. Là, c'est sur du papier cuisson, là. Ou papier... ça fait penser à du papier cuisson, là, qu'on met au four, là. Ça fait joli, un joli effet. Ça fait des effets mordorés comme ça, c'est très beau. Là, c'est un zibou, zibou, zibou. Hein, je crois. Enfin, c'est un duc ou un, je sais pas quoi. Un duc ou un. Je sais pas. Ah, il y a un petit. Oh, c'est chouette! Alors, hop là. Donc, elle a fait une patouille avec un. J'y connais rien en oiseau de nuit, hein, mais vu le. C'est pas un hibou, c'est un. Comment là? C'est pas un. Une chouette, quoi. Ça va être une chouette, je crois. Et puis, quand on ouvre, hop là, il y a le pop-up comme ça. J'aime. Alors ça, j'adore ce pop-up-là. Parce qu'en fait, il est plutôt facile à réaliser. Hein. C'est vraiment facile. Et puis, franchement, ça fait un super joli effet. J'adore. Très très beau, super joli. Elle est belle, elle est beau l'image du cœur là, c'est très beau, magnifique, magnifique, j'adore. Je vais la mettre comme ceci. Donc là, elle a fait toujours pareil, des patouilles avec, voilà, c'est difficile de vous décrire tout ce qu'elle a fait. Hein. Il y a des taches, des pochoirs, des, enfin bon, voilà quoi, c'est amusé quoi, c'est éclaté. Là, il y a de la pâte de texture, vous voyez, avec des effets comme ça de... Voilà. C'est joli, ça aussi. De toute façon, tout est beau, hein. Voilà. Ça fait des taches, des trucs, des machins, des cœurs. Des... On peut voir des dessins. Moi, j'aime bien faire ça. Moi, ça, elle le sait que j'aime bien, mais... Là, c'est du papier un peu photo. Enfin, pas un peu. C'est du papier photo. Donc, avec des encres à alcool. Ça fait des jolies taches, des jolies couleurs. Ça, pour toi. C'est beau. Donc, je vais regarder. C'est une enveloppe. Elle a fait son embossage à froid avec ses jolies fleurs, là. Alors, hop là. J'ai déchiré sans faire exprès. C'est parce que c'est collé. C'est bien collé. Ah oui, c'est parce que j'avais c'est une enveloppe. C'est pas grave. Hop là. Donc ça, elles sont très, très, très belles. Voilà. Avec, hop là. C'est son bel... Elle l'aime bien, cet embossage. C'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Donc celui-ci, elle l'a laissé brut. Comme ça, je peux faire ce que je veux. J'ai le droit, hein, je fais qu'est-ce que je veux. Hein. Ça, c'est des... C'est quoi comme embossage? C'est quoi comme dessin? J'ai de plus en plus de mal. Je vais devenir aveugle, moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas ce que c'est comme dessin. C'est des fleurs aussi. Si, si, c'est aussi des fleurs. Je sais pas si on voit bien, là. Vous voyez bien? Base neutre, comme ça, je fais ce que je veux. Bah tiens, c'est celui-là. Alors là, comme elle l'a colorisé avec... Ça fait brillant. C'est assez joli. Du vert et bleu, comme ça. Il y a celle-ci. C'est des marguerites. Voilà. Hop, et ça c'est très joli aussi. Ah, c'est joli ça, les petits points. J'aime bien les petits points là. Elle est très belle cette plaque à embossage là. Je sais pas si on voit les effets. Super sympa. Et là, ah, celle-là, je crois que c'est ma préférée, dis donc, dans ce sens-là, le côté négatif. J'aime beaucoup celui-là. Travailler les. Bah, ça c'est le côté positif. Mais travailler le côté négatif, c'est vraiment super sympa. C'est-à-dire le côté négatif, c'est le côté qui est enfoncé, vous savez. Positif, c'est ce qui ressort. Négatif, c'est ce qui est enfoncé. Je dis ça, c'est pour les débutantes en scrap. Hein. Même si moi, je suis toujours une débutante. Hein. C'est ça.
Je te remercie, je vais m'en servir pour. Ben, les autres, c'est pour partager. Hein. Elle met toujours, Pascal, du partage et du pour moi, du droit d'avoir du pour moi. Oh, c'est bien ça. Ouh, c'est bien ça. Ouh là là, ça me plaît ça. Ouh là là. Oh, j'adore tes découpes là, monsieur et madame. Ah non, c'est que des messieurs. Regardez ces découpes, elles sont super sympas. C'est des visages hein, avec un chapeau. Et puis là, il n'y a pas de chapeau, c'est deux mecs, hein, deux hommes. Ouais, elles sont super belles, tes découpes là, j'adore. Oh, j'adore cette patouille là. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est trop magnifique, j'adore. Regardez, c'est beau. Oh là 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 là, c'est trop magnifique ça. Oh, puis cette couleur or et cuivré là, c'est trop beau celle-ci. Hein. Oh là là, j'adore. Voir, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est beau ta plaque là, elle est trop belle. Hein. Oh, elle est trop belle. J'adore. Magnifique, magnifique, cette plaque en bossage. En blanc, on l'a fait en blanc. Alors, le côté positif, ça donne ça. Et on peut utiliser le côté négatif. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que dans le négatif, il y a aussi du positif, on est d'accord. Ben, si, les bords, là, ils sont positifs. Enfin bon, c'est l'inverse, quoi. Ah oui, bon, on disait, vous avez compris. Ça, donc, c'est celle que toutes les petites fleurs. Ah, on a fait plein des neutres comme ça que je peux utiliser. Le noir. Hop. Le blanc. Mais ça, c'est du brillant. Du blanc brillant. Hop là, on voit. Hein. Hop là. Hop, ah, t'es tout mignon. T'es tout mignon. Les marguerites sur du brillant, du blanc brillant. Du blanc laqué. C'est pas le canard laqué, hein. C'est bon le canard laqué. Hein. Ah, j'ai envie de manger chinois en ce moment. Oh là là, j'aime ça manger chinois. C'est bon la bouffe chinoise. Hein. Je sais, je pense qu'à bouffer. C'est pas ma faute quand même. J'adore. Il n'y a que ça de vrai. Manger, manger, manger. Bah si, il n'y a que ça de vrai. Hein. Je te remercie, j'adore tes. Je vais les mettre avec mes. Ce que je garde pour moi, j'ai le droit. Ça, c'est ce que je garde pour moi, ça, c'est ce que je partage. J'ai tout à fait le droit, je fais ce que je veux. C'est très beau, ça. C'était très beau, les couleurs. J'adore. Violet, bleu, turquoise. C'est trop beau, ça, parce que ça, il y a eu du bleu mélangé avec sûrement du rose. Et ça fait des effets comme ça. C'est très beau sur le papier photo. J'adore. Oh, c'est beau, ça. Ça me fait penser à. Regardez la. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau. J'adore. Ça me fait penser aussi au dessin animé Le Condor, là. Enfin, non, il est réveillé hein, depuis. Hein, si, le Condor, le Condor. C'était comment c'était les cités d'or, vous savez, les cités d'or, et ils volaient sur un oiseau comme ça, un gros oiseau qui s'appelait le condor. Hein. Et alors, j'aimais bien, moi, regarder ça, hein, les cités d'or. Hein. Je suis en train de chercher la chanson des cités d'or. Esteban et machin et trucs bidules, là, et compagnie, là. Enfant du soleil, c'est ta vie, c'est ton destin. Ça va, hein, je chante pas comme une casserole, non mais dites donc. Joyeux anniversaire. Oh, t'es tout mignon. Et avec la petite pendule, hein. Tic-tac, 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 tic-tac. Alors, elle m'a fait une joyeuse carte pour mon joyeux anniversaire. Wally, Wally, elle est très, très jolie. Oui, t'es tout mignon. Avec la Gorgus, là, hein, votre petit personnage que vous aimez bien. Elle est mignonne avec ses petits pieds là qui sont l'un sur l'autre. Là, genre, je suis timide. Hein. Moi, ça doit être une sacrée coquine, ça. Hein. Ouais, avec les papillons. Hein. Les papillons en l'air. Et puis les fourmis par terre. On les voit pas, les fourmis, elles sont dans la terre. Joyeux anniversaire, ma. Tac-tac-tac. Ma tac-tac-tac. Ma. Cette journée. Bah ouais. Ah oui,
Il s'en passe toujours des choses dans la vie, hein. C'est ça qui me fait peur toujours, moi. J'ai peur de la vie. J'ai peur de la vie et de ce qui se passe chaque jour. Mais bon, hein, il faut bien affronter les bons comme les... Affronter les bons moments. Parce que quand on affronte un bon moment, quand on vit un bon moment, on sait forcément... Ah si, 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 c'est... Ça, c'est... Ah, ça, c'est... Quand il y a un bon, il y a forcément un mauvais. Ah, c'est... Il faut toujours que ça s'équilibre. Vous avez jamais remarqué ça? Si, si. Vous savez, c'est comme quand il y a... Alors, j'aime pas trop parler de ça parce que ça peut faire peur. Mais je sais pas si certains d'entre vous ont remarqué ça. C'est-à-dire que quand il y a une naissance dans une famille, il y a aussi un départ. Ouais. Moi, j'ai souvent, souvent remarqué ça. Ouais. Quand il y a une naissance, il y a un départ. C'est comme si il y avait un... Vous voyez, c'est pour équilibrer. Il y a un ange qui part, un ange qui arrive. Ça passe le relais. Et... Enfin, moi, j'ai souvent constaté ça. Voilà. Et donc, dans la vie, c'est toujours comme ça. Vous passez un bon moment et paf, juste après, vous allez passer. Il va se passer quelque chose. Si, faut s'y préparer, faut le savoir. Une fois qu'on le sait, on arrive à vivre les choses plus facilement. On sait que on vit un mauvais moment. Le bon va arriver. C'est obligé, c'est obligé, c'est obligé, obligé. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours positive parce que je sais que même quand j'ai quand j'ai une couille dans le pâté, je sais très bien qu'une fois que je l'aurai mangé, eh bien, je vais manger du caviar. Mais j'ai le droit, non mais dis donc. Non mais c'est ça, c'est vrai en plus. C'est ce qui m'aide, moi. C'est ce qui m'aide, moi. Je me dis... Allez, c'est qu'un mauvais moment a passé, le bon arrive, le bon arrive, le bon arrive. Voilà. Et des fois, il met longtemps à arriver. Hein. Ben, si. Mais, il met longtemps à arriver, mais c'est parce que le bon va durer un certain temps. Et quand le bon est là, profitez-en. Profitez-en. Il faut en profiter parce que il y a du mauvais qui va arriver. Ah, bah ben, si, ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même pas ma faute. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, tout ce qu'il y a là-dedans. Oh là là, tout ce qu'il y a. Mais elle est folle, c'est une. Je savais, hein, je m'en rappelais plus qu'elle était. Non, je m'en rappelais plus, j'avais oublié combien elle était folle. Vas-y doucement, vas-y doucement. Alors, qu'est-ce qui est marqué? J'ai le droit de déchirer. Hein, c'est ce que je... Oui, c'est vrai. C'est mexicain. Ah ben ça, c'est Frida Kahlo. C'est mexicain. Ça porte bonheur, ça. Hein. C'est bizarre, mais ça porte bonheur. Au Mexique, hein. Hein, ouais, enfin, au Mexique et tous ces pays-là, ça porte bonheur. Hein, c'est vrai. C'est très... Il faut aimer, hein, c'est spécial. Mais vous voyez, les marguerites et tout, hein. Ouais, ça porte bonheur. Je vais pas l'utiliser, hein. Ben non, je n'utilise pas, je le laisse en déco, il est magnifique, hein. Avec la couronne de Frida. C'est trop beau. Moi, j'aime bien, moi. Je trouve ça bizarre. C'est bizarre, oui, je sais. Je le mettrai en déco, là, ça me portera bonheur, hein. J'ai le droit, hein, regardez. Hein. Je ne vous montre pas trop pour celles qui n'aiment pas. Hein, parce que je parle beaucoup, moi, de choses qui sont un petit peu, peut-être, qui vous perturbent ou pas. Hein, vous me dites. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Oh, t'es folle, écoute, Pascal. Pascal. Oh, c'est beau, ça. Je sens que c'est beau. Je sens que c'est beau. Je sens que c'est beau. Alors, oh c'est beau ça. Oh c'est joli. Hein. C'est une petite pochette comme ça en forme de cœur avec un joli charme qu'elle a fait, des perles qu'elle a fait en papier et tout ça. Hein. Hop, le petit pompon. Hein, c'est pareil qu'elle a fait elle-même. Elle a roulé ben, dans les tons orangés. Et hop, une pochette cœur comme ceci. Hop, avec. Ça rond, des petits cœurs. C'est super joli. Et là, donc dedans, il y a un petit tac comme ça. C'est joli la petite attache comme ça avec le fil de fer et tout. C'est très beau. C'est marrant parce que c'est joli. Moi, si j'essaie de faire ça, rien que si j'essaie de faire ça, oh là, ça va être un tas de. Ah oui, c'est ben sûr.
C'est sûr que ça donne pas ça, moi. Non, moi, ça va donner un nœud, mais très moche, c'est sûr, hein. C'est gentil. C'est très joli. Je vois les petites touches d'or et tout, les petits cœurs, les petits tamponnages. Il y a tellement de travail là-dessus, tellement, tellement. C'est très, très joli. C'est charmant, charmant, charmant. Charmant. Ça va bien, ça? Je regarde un truc. J'ai tout à fait le droit, hein. Non, mais je regarde si ça marque, ça marcherait en marque-page. Je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Regarde, ça va bien en marque-page. Si, on disait que ça allait bien, mais j'ai le droit de faire ça. Hein. Je fais ce que je veux, de toute façon. Ce que je veux. Ça, c'est des bases d'ATC. Ah, c'est bien. Ça faisait longtemps, hein, j'en avais pas eu. Parce que j'en ai beaucoup distribué. Hein. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup distribué. Hein. Vous pouvez pas dire le contraire, les filles. Hein. Je vous en ai beaucoup envoyé, hein, de plein de choses de Pascal. Hein. Des bases d'ATC comme ça. Sur du papier photo, je crois. Il y a toute une série, on en a fait 7. Alors je vous les montre. Enfin, je vous les montre pas. Si, je vous les montre pas. C'est les mêmes. Elle m'a fait une série de 7. Alors je m'amuserai dessus. Puis je vous. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ATC. Ouh, ça fait longtemps. Mon Dieu, que ça fait longtemps. Eh bien, j'en ferai. Je vais en faire une série. C'est une série de 7, ça. Ouais. Ça, je vais les mettre là aussi. Voilà. Mettre des choses à faire. Hop là. Ensuite. Oh, Pascal. C'est quoi ça? Ouh, ça se mange? Ça se mange. Quoi? Désolée, plus de papier. Plus de papier? Bah, comment tu fais pour te torcher? Bah si, comment tu fais si t'as plus de papier? Désolée, plus de papier, l'ami. Ouh là 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 là! Alors, je vais t'en envoyer, c'est parce que t'as rien. Bah oui, t'as rien. Bah, je sais bien que t'as rien. Hop. Oh bah tiens, t'as vu si je suis pas douée? Rien qu'au toucher, je sais si ça se mange. C'est incroyable, j'ai un don. Hein. Si, j'ai un don. C'est bon ça. Je sais plus qui m'en a envoyé il y a pas longtemps là. Tout un colis de. Non mais j'ai quasiment tout mangé. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Ah, oh, j'ai 2,52 de cholestérol. Si, on m'a dit que c'était pas grave. Hein. Non. 2,52, ça peut aller. Et alors donc, elle m'en avait envoyé des trucs comme ça. Et ben j'ai tout mangé, ça y est. Le soir, tu sais, devant la télé, j'ai le droit, hein, je fais ce que je veux. Je te remercie, hein, oh là là. Oh là là là. Miam miam. Ah bah oui, miam miam. Mais c'est pas parce qu'il y a marqué ça que j'ai pensé. Non, pas du tout. Ensuite, nous avons. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà. Mais qu'est-ce donc? C'est comestible. Oh là là. Et ça fait grossir. Oh là 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 là. Mais non! Mais non! Pascal! Oh! Oh là là. Oh oui! Oh, je comprends. Oh, c'est trop bien. Oh, mais c'est trop bien. Oh, j'adore l'idée. Mais c'est trop extra. Je n'avais jamais vu ça. C'est des chamallows là, vous savez, sucrés, mais en forme de marguerite. Oh, c'est trop bien! Mais c'est trop. On n'a pas envie de les manger, hein. On a envie de les garder comme ça, c'est trop joli, hein. Oh! Regardez, c'est des marguerites en bonbons, en chamallows. Oh, mais c'est vachement bien, hein. Je sais pas où c'est qu'elle a ça. Elle achète ça en Italie, hein, j'en suis sûre. Hein. On n'a pas ça chez nous en France, hein. Non, on n'a pas ça, hein. C'est trop bien! J'adore! J'adore l'idée! Extra! J'adore, j'adore! Mais oh non, oh non, non, tous les kilos! Je vais en prendre des kilos. C'est lourd ça, c'est quoi? Oh, c'est joli ça! C'est des petites perles qu'elle a peintes? Tu les as peintes? Ah, elle les a peintes elle-même, c'est des perles en bois qu'elle a peintes. Alors, ça devait être autour de cette boîte-là, j'imagine, parce que je pense, hein, c'est lourd ça! Je sais pas ce que c'est, mais c'est lourd! Hein. Aïe, j'ai mal à mes doigts. Ah oui, c'est le 29 qu'il faut que je rappelle, le rhumatologue. Le 29, faut que j'y pense. Hein. Faut que j'y pense. Moi, je vais y penser, mais voilà quoi. Pour avoir un rendez-vous pour décembre. Oh, le délire. C'est. Oh, super génial! Oh, c'est trop bien! Ça nous manquait, ça. Si, ça nous manquait. Et pan! Si, et paf! Là, c'est épan. Pan, pan.
Les blagues qui tuent. Oh, c'est trop bien. J'ai le droit. J'ai déjà envie d'en faire une tout de suite. Hein. Ça se retire comment, ça? Alors, comme ça. Comment on les retire? Je suis pas très douée. Hein. Oh là là, je suis pas douée. Je suis pas douée du tout. Comment on les retire? Comment ça se retire? Il y a marqué, non? Retourner, conserver. Ouvrir, déplier. Ils mettent le mode d'emploi. Ouvrir, déplier, retourner. Là, je suis pas très douée. Ah bon? Ah, ouais? Ah oui, d'accord, ok. Mais si j'ai pas envie de le mettre comme ça, je fais ce que je veux, moi. Comment on fait? J'arrive pas. Oh là, la pauvre fille. Faut tirer peut-être, non? Faut peut-être oser tirer. Ah non! Ah oui, non! Ah non, ah, non, je sais pas. Hein. Ah, on laisse ça? On le laisse? Le truc, là? Je sais pas. Oh, la fille qui... Oui, je sais, je suis pas trop aidée par la nature. Par la nature. Mais j'ai le droit de réfléchir quand même. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Moi, je retire ça. Je fais ce que je veux de toute façon. Hein. Je fais ce que je veux. Hop. Ça, c'est bien, ouais. Ça fait un petit récipient. Et ça, je laisse là. Je fais ce que je veux, moi. Je laisse comme ça. Hein. Et on est le combien, là? On est le 20... Combien j'ai dit? 20... Je sais même pas comment je vis, moi. Le 26, le 26 avril. Hein. C'est loin, déjà, hein. Le 26 avril, il y a plein de blagues. Hein. Ah, mais on s'en fout. Ah non, on s'en fout pas. Non, 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 on s'en fout pas. Le 26 avril, il y aura tout ça à rattraper. Hein. Je vais les rattraper, bien sûr. Hein. Ah bah oui, mais je vous les ferai à l'envers. Je vous la ferai à l'envers. Je vous les ferai à l'envers. Allez, celle d'aujourd'hui. On y va, c'est parti. Vous êtes prêts? Si, vous êtes prêts. Hein. Durant une dispute, un homme demande à sa femme, si je t'énerve autant que ça, dis-moi pourquoi tu restes avec moi. Si tu veux tout savoir, uniquement pour avoir un sujet de conversation avec mes collègues. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Oh la vache. C'est ça. Demain. Non, bah demain, c'est autre chose. Ah, j'aime bien. J'adore ça. Ça me manquait un petit truc de tous les jours, hein. C'était trop mignon. Ah, c'est trop bien. Ouais, j'adore, j'adore. Bon, allez, hein, je vais me mettre avec le calendrier du jour hein, pour pouvoir vous dire une blague chaque jour. Car chaque jour, il faut penser à rire. Enfin, essayer, hein, parce que c'est pas toujours facile de rire. Hein, quand ça va pas, ça va pas. Hein. C'est un joli tissu, ça. Hein. C'est très beau. C'est quoi? C'est un sac? Oh, c'est un joli sac. Oh, ben ça tombe. C'est un sac, hein, c'est un joli sac. On dirait un joli sac, mais j'ai le droit. C'est un sac. Pour mes commissions, ça sent bon là-dedans. Ça sent bon, voyons. C'est joli, ça. Hein? Ah oui. Hein. Mais j'ai le droit de réfléchir. Hein. J'ai le droit de réfléchir. Mais j'ai le droit. Ça sent super bon. Ça sent. Vous savez, là. Ah, c'est joli. C'est très beau. C'est un sac. Un joli sac avec des animaux, des nanimaux, des petits renards, des petits hiboux, des petits écureuils. Ouais, c'était trop beau, regardez. C'est très beau. J'ai envie de mettre des anses et pour l'emmener en commission. Parce que j'en ai un avec des notes de musique. Je l'utilise. Je peux vous dire que vos sacs, je les utilise. Ils sont dans mon sac à main. J'ai un sac à dos, moi. Hein, je prends un sac à dos parce que c'est plus pratique avec le chien. La laisse, le machin, tout ça. J'ai un sac à dos. Et alors, dedans, j'y mets vos sacs pour mes commissions. Parce que moi, je ne prends pas de. Bah, je ne prends pas de sac. Bah, de toute façon, ça n'existe plus dans les sacs. Oh non, ils en donnent plus, hein. Éventuellement, ils peuvent vous en vendre, mais ils vous en donnent plus. Hein. Bon, heureusement, de toute façon, heureusement. Regarde, t'as vu? Je suis tellement intelligente. Regarde, t'as vu? Tout est recyclé immédiatement, tout de suite. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est comme les. Ça, à chaque fois, je les mange. Ah, je les mange trop vite, ça. Hein. Ça, c'est comme les comment? Les dragibus, mais en petit. C'est vachement bon. Hein. J'adore ça. Hein. Comme les dragibus. Je te remercie. Voilà tout ce qu'il y a à manger là-dedans. Mais c'est une folle! Et ça? Délit de gourmandise? Oh non, t'exagères, Pascal! Oh non! Mais non! Pascal! Ça se mange, encore c'est un truc qui se mange. Délit de gourmandise! Oh non, non! Ça, elle m'envoie des tuiles, hein. Des dentelles! Oh, de la dentelle!
Biscuits sucrés et noix de cajou. Ça, c'est bon, les noix de cajou, c'est bon. C'est très très bon. Hein. Ça va être très très bon, ça aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est Nutri-Score E. Hein. Enfin, vous avez compris, quoi. Si, vous avez compris, quoi. Oh là là, tout ce qu'il y a. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Vers le bonheur et au-delà. Au-delà. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais au bout de la nuit, Capitaine Flamme, non, c'est loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. C'est compris, quoi. Alors, bonne dégustation à la tienne, Étienne. À la tienne, Étienne. À la tienne, mon vieux. Ce n'est pas de l'alcool. Mais moi, je bois pas de l'alcool, hein. Non, si, j'en bois de temps en temps. J'aime bien, moi. C'est à la lavande. C'est bien, ça, parce que comme ça, je mangerai pas d'araignée. Si, c'est pour anti-araignée, hein, la lavande. Ça, à mon avis. Attends, je vais l'ouvrir pour sentir l'odeur. Elle est belle, la boîte, en plus. Elle est super belle. Attends. Attends. Oh, j'ai mal. J'ai mal. J'ai trop mal. Oh, j'ai mal à mes doigts. Voilà. Aïe. Oh la vache, ça sent bon. Mais figure-toi, j'allais vous faire sentir. Si, j'allais faire ça. Regardez comme c'est joli. C'est beau, hein. C'est trop beau. J'adore. Et alors, il y a une chose que je peux te dire, c'est que ça sent le citron, mais alors grave. La citronnelle, le citron. Et alors, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Infusion au mélange, vivifiant et léger, idéal le matin pour bien commencer la journée. Ils sont où les parfums? Il y a marqué quoi? Ah, morceau! Je comprends pas. Hein. Il y a marqué lavande, infusion aromatisée, morceau de pomme et lavande. Mais attendez, c'est pas possible, il y a du citron grave là-dedans. Morceau de pomme. Morceau de pomme, églantier. Oh, c'est beau les églantines. C'est des roses originelles. C'est comme une rose originelle, là, l'églantine. Hein. La rose originelle, hein, la rose originelle qui vient de. La rose originelle, c'est égyptien, non? C'est. Enfin, Israël? Israélienne? Non, je sais pas. Je sais que la rose originelle, la vraie, la rose, elle a quatre pétales, quoi, en fait. C'est comme une églantine. C'est très beau. Et alors, pourquoi je vous dis ça? J'en sais rien. Ah, si, parce qu'il y a de l'églantier dedans. Morceaux d'ananas, confit, lavande, citronnelle. Ah, c'est ça qui sent super fort dedans. C'est de la citronnelle. C'est de l'anti-moustique. Alors, en fait, c'est une tisane anti-moustique et anti-araignée. Je vais me régaler, hein. Ah, je vais me régaler, hein. Comme ça, je vais, mon corps va à l'intérieur, va sentir la citronnelle et la lavande, et comme ça personne ne viendra m'ennuyer, aucun insecte ne viendra m'attaquer. En tout cas, ça sent super bon et je vais me régaler. C'est trop joli, j'aime bien, moi. Ah, mais la citronnelle, elle est dominante, hein. Dominus, dominus, hein. Alors ça va dans le coin, hop, dans le coin gourmandise pour se faire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça? C'est une amphore, c'est une amphore. Elle est allée en Grèce vite fait. Alors, ou je ne sais où, hein. C'est quoi? Je vais lire le petit mot avant. J'ai le droit. Hein. Non, j'ai pas le droit. Peut-être c'est après. Non, il n'y a pas marqué avant, après. Un joli petit sachet en organza. Alors, attends. J'ai peur de casser quelque chose, moi, à chaque fois. Oh la vache, c'est pour fêter mes 10 000 abonnés. Non, je le garde parce que ça fait de la patouille, hein, le papier. Ça colore le papier. Colore le papier, coupe au marc de champagne. Ça me fait penser, il y avait des glaces comme ça à mon époque aussi. J'avais pas le droit, moi, mais le vieux, il en mangeait. Oh, c'était tout mignon. Oh, c'était tout mignon. C'est un anti-stress. Je peux pas faire avec ce malade, j'ai trop mal. Mais regardez. Oh, il était tout mignon, hein.
Un petit toy, hein. Si, c'est un. Ben, si, hein. C'est pas un sextoy, c'est un jouet toy. Hein. Un toy, quoi, un jeu. Oh! Regardez, hop! Le petit cœur. Oh, titi, il bat. Oh, titi, tout mignon! Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Oh, c'est trop mignon! Boum, 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 boum. Mon petit cœur qui bat. Oh, c'est charmant! C'est trop mignon, hein. J'adore. J'adore l'idée. Mais j'aime bien quand même. C'est trop charmant. C'est marrant qu'ils ont mis ça dans un truc de coupe de mare de champagne. C'est rigolo, hein? Regardez, il fait dodo, il fait dodo. Oh, t'es mignon. Hop là, tu fais dodo, puis tu restes en étant tout petit dodo. Il y avait des glaces comme ça, c'était. Ou alors, il y avait ça qui n'existe plus, je crois, hein, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, je cherche pas ça non plus, hein, j'en sais rien, ça existe peut-être toujours. Et puis les rhum raisin, là. Il y avait des trucs rhum raisin, là. Qu'est-ce qu'ils pouvaient en bouffer, connard? Et ça, c'est une petite carte toute mignonne, non? Oh, c'est tout mignon, le petit lapin, love you. Oh, c'est trop mignon. Regardez comme il est mignon, son petit lapin. Sur sa petite patouille derrière, une marguerite. C'est charmant, hein? La jolie marguerite, là. Il fait un soleil, le petit cœur. C'est trop charmant. Adorable. Il est trop mignon, ce petit lapin. Et là, hop là, un petit tamponnage de deux amis. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Oui, c'était trop mignon. Les deux copines, là. Oh. Je vais vous montrer le tag. Ah, bah tiens, voilà. Des anges silencieux. Oh. C'est trop joli. Elle est belle, ta citation. Les amis sont comme des anges silencieux qui nous remettent sur nos pieds quand nos ailes ne savent plus voler. C'est trop beau. Regardez-moi ça, si c'est pas adorable. C'est trop mignon. J'adore. Là, mes petits tags, comme ça. Et puis derrière, il y a un autre petit tag. Hop là. Ouf, là. Voilà, tout mignon, mignon. Avec la tasse, elle a une tasse sur la tête. Hein. Si elle a une tasse sur la tête, c'est parce qu'elle veut faire le mannequin. Vous savez, pour apprendre à marcher, il faut mettre des livres sur la. Les Africaines, elles marchent avec. Il faut voir ce qu'elles mettent sur la tête pour marcher, les Africaines. Il faut voir comment elles. Ah, c'est incroyable, hein. Incroyable ce qu'elles peuvent. Elles marchent comme ça avec les trucs sur la tête, les bassines avec du poids, plein de choses dedans. Et ça tombe pas. Je peux vous dire que ça tombe pas. Hein. Oh, c'est chouette. Un trésor n'est pas un ami, mais une amie, un ami est un trésor. C'est trop mignon. Trop, trop adorable. Avec les petits oiseaux en bas. Oh, c'est tout mignon. J'adore cette petite découpe. Oh. Et ça fait boum, 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 et ça fait. Bim bam boum bam, et ça fait bim bam boum, et ça fait boum boum bam boum. Je mets ça là, ça je mets ça là. Je suis paumée, si ça y est, je suis paumée. Je suis paumée. Là, je vais mettre avec les petits papiers là. Hop là, tout ce qu'il y a, Pascal. Je suis une belle personne, n'en doute jamais. Ouais. C'est joli, elle m'a fait une jolie enveloppe. Hop là, avec une feuille de papier kraft, plein de jolis tamponnages. Voilà, hop. Et elle a mis une pocket letter. Oh là là, oh là là. Elle a fait une pocket letter sur le thème de l'amour, hein. Des roses, des papillons. Ouais, c'est très joli. Elle a fait des sentiments à la Dimo. Ah, c'est trop joli. Regardez. C'est beau, hein. C'est une serviettage. Je pense que c'est un serviettage. Ah non, je sais pas. Attendez, je vais vérifier, mais je pense que c'est un serviettage. Ouais, je sais pas. Non, non, pas du tout. N'importe quoi. Non, non, c'est pas un serviettage. C'est une patouille. C'est une patouille. Elle a fait un fond patouille. Une page, une feuille coin-coin. Elle l'a patouillée avec des fonds roses. Et puis après, dessus, elle a mis des stickers. Ou des bouts de serviettage. J'en veux avec ma serviettage parce que je pense qu'il y a du serviettage sur la patouille. La petite découpe de papillon et le sentiment à la Dimo. Vous voyez? Et il y a des lettres. Alors là, par exemple, il y a N. Attendez. Ouais, je cherche ce qu'elle a voulu marquer. En A-N. Angélique. Je pense qu'il y a marqué Angélique, non? Ah oui, Angélique. Ah ouais, j'ai 9 lettres dans mon prénom. A-N-G-E-L-I-Q-U-E. Ah ouais. Je savais même pas qu'il y avait 9 lettres.
fait dans mon prénom. Tellement je l'aime, mon prénom. Elle a marqué Angélique, en fait. Il y a une lettre dans chaque pochette, Angélique. Elle a mis donc des sentiments comme ça, love, rêverie, love, passion, pretty, passion, love, rêverie, pretty. Et puis des petits cœurs, c'est joli, hein. Oh la vache, j'avais pas vu. Les papillons, les roses, c'est très joli. J'aime beaucoup. Et là, elle a mis un washi pour faire le bord de la pocket letter. Voilà. Et derrière, elle a mis des petits cadeaux comme ça. Tout mignon, mignon. J'aime bien ce qu'elle a fait là. Non, j'ai du mal. Les petits négatifs comme ça. C'est super joli. Hein, et c'est un négatif. Et là, elle a mis un... Hop. On peut mettre une petite photo, une petite image. Super sympa. Voilà, plein de petits cadeaux que je les défais pas. Je les garde en souvenir, les cadeaux. Ouais, je sais. C'est bizarre, mais je les utilise jamais. Je les laisse avec la pocket letter. Ça fait partie de... Ça fait partie du... De la création, quoi. Elle est très réussie. Elle est très jolie. Hein. J'adore. Merci, merci. J'adore les pocket letters. Qu'est-ce qu'on peut s'amuser avec ça? Qu'est-ce qu'on peut s'amuser? Alors, souvent, on me demande où est-ce qu'on peut avoir les pochettes transparentes pour faire les pocket letters ou les collections d'ATC, hein, peu importe. Hein. Moi, ma petite Josette, ma maman de cœur, elle m'en a envoyé quelques-unes, là, des pochettes transparentes. On les achète, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas acheté, je vous avoue. Hein. Par contre, on les achète, moi, je les achetais sur Amazon. Je commandais sur Amazon et je mettais pochettes transparentes Pokémon pour cartes à collectionner Pokémon. Et ça vous sort, alors il y a plusieurs prix, plusieurs qualités. Il y en a, vous voyez celles-ci, elles ont plusieurs pochettes. Il y a une pochette devant pour mettre l'ATC, la pochette. Enfin, c'est pas des ATC, hein. On peut faire en série d'ATC, mais c'est pas obligé. Une pocket letter, il n'y a pas besoin de mettre des trucs ATC derrière. C'est pas obligatoire. Non. Ce qui, d'ailleurs, je regarde un truc... Voilà, c'est ça que je cherchais. C'était le mot. Parce que, en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre les trucs ATC. Vous pouvez les laisser très neutres, sans rien. Mettez le petit cadeau, bien sûr. Voilà, le petit cadeau. Hein. Des fois, ça a un rapport avec le thème que vous avez fait, mais bon, voilà. Ou alors, c'est des choses que vous avez utilisées pour faire votre pocket letter. Enfin, vous y mettez bien ce que vous voulez, de toute façon. Et après, on met un petit mot. Un petit mot, soit à la pochette centrale là, soit ici. On a deux choix, soit ici, soit ici. Voilà, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Après, je sais pas. Hein. C'est peut-être pas la vraie origine, j'en sais rien. Moi, je fais comme ça, en tout cas, je trouve que ça me va bien. Et puis, donc certaines pochettes, elles ont soit une seule pochette, soit il y a double pochette. Celle-ci, là, qu'elle a, c'est des simples pochettes. Ouais, simple, il n'y a qu'une pochette. Parfois, dans des pochettes, c'est pour ça que le prix peut différer. Si vous avez des prix plus chers de pochettes, ça veut dire qu'il y a deux pochettes dans une pochette. Il y a une pochette pour mettre l'ATC, on va dire ATC, devant. Et comme ça, derrière, vous avez les cadeaux. Et comme ça, quand vous prenez les cadeaux, vous ne touchez pas à la création. Parce qu'on peut faire tellement de choses sur les ATC, là. Hein, on va appeler ça ATC, j'ai dit. On peut faire tellement de choses, de la couture, des machins, des pochettes, des trucs. On peut s'éclater, c'est vraiment super. On peut faire quelque chose de très simple, mais on peut faire aussi quelque chose de très sophistiqué. Parfois, c'est embêtant de la retirer, de la remettre, de la retirer, de la remettre. Alors, il faut mieux les laisser en plastique comme ça et ne plus y toucher. Hein. Vous l'admirez à travers la... C'est comme une jolie chose derrière la vitrine. Hein. On n'y touche pas, hein. On n'y touche pas une pocket letter. On ne la démonte pas, on la laisse telle qu'elle est. Hein. Faut pas y toucher, quoi. C'est une petite œuvre d'art. Hein. Ah, c'est mignon. Ah bah bien sûr, ma collection. J'en ai une belle collection. Hein. Ouais. C'est vrai. Je pourrais faire des vidéos entières de présentation des créations que vous m'avez envoyées encore aussi. Hein, pour faire un petit rappel comme ça de temps en temps de ce que vous m'avez envoyé. Ça me ferait plaisir de vous repartager. Hein, parce que bien sûr, je répète. Je garde tout, bien sûr. Hein. Faut pas...
Faut pas douter de cela, hein. Ça c'est sûr, j'ai toujours tout, tout, tout. Alors même si là c'est dans des cartons, mais je préfère les laisser dans des cartons que ça ne s'abîme pas, que les sortir et puis les abîmer parce que j'ai pas la place, parce que machin, parce que truc, parce que ça va tomber ou parce que voilà, je préfère les laisser à l'abri en attendant de réaliser mon projet. Si un jour j'y arrive, non mais je vais y arriver, de toute façon c'est sûr, hein. C'est sûr, j'ai toujours réussi, mais c'est pour ça que la patience, c'est important d'avoir de la patience et de la ténacité. Et là, c'est une jolie petite carte toute mignonne. Alors, on ne voit pas à travers le truc, donc je vais le sortir. Hop là! C'est beau ce qu'elle a fait, hein, c'est beau. Il y a du vernis là, la vernis. Hein. Le papillon, le cœur, la marguerite. C'est très joli, il y a des fils comme ça d'or là. C'est très beau. Ah, c'est très joli, vous voyez. C'est une jolie création. Là, c'est du fil d'or. Là, il y a le papillon, le cœur et la marguerite. Il est à l'intérieur du cœur. Sur des patouilles et tout, il y a beaucoup de travail. Ça a été verni, ça, je pense. Je sais pas. C'est joli tout plein. Puis derrière, hop là. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Il y a du glossy accent, du glossy, j'imagine. C'est trop beau, il est trop beau, son petit positive attitude. Les bras en l'air. C'est ça. C'est très joli. Avec les petits arcs-en-ciel. Et puis un joli papillon comme ça, un joli petit embellissement papillon. Ah. On fait une pochette comme cela. Alors. Je te connais. Tu piques toutes les décos. C'est vrai en plus. Ben non, j'ai le droit de toute façon. Non mais dis non, bien sûr, je pique toutes les décos. J'ai tout à fait le droit de faire ce que je veux. Hein. Non mais dis non. Hop là. Okay. Oui, c'est vrai, je pique tout. C'est très joli. Sais pas, elle a fait ça avec du serviettage. Je pense, vous savez, le serviettage, je répète, c'est la base du serviette qu'on retire, là. Qu'on retire, la base du serviette qu'on retire. Moi, bien parler français. Il y a de la. C'est très joli, ces petits effets de points et tout, là. Jaune, rouge, c'est très beau. C'est son art, hein. Son art, son art. Hein. Son talent. Hop, ça. Il y en a encore. Si, si, il y en a encore. Je suis désolée, c'est quand même pas ma faute. C'est quand même pas ma faute. Ça, c'est embossé sur du papier mauve. Ben, c'est encore ces fameuses fleurs-là. Hein. Elle s'est éclatée avec ses fleurs. Hein. Avec un peu de retard pour mon anniversaire. Mais attends, il n'y a pas de retard. Tu sais, quand on passe par des difficultés, t'avais même pas. Enfin, je veux dire. J'ai tellement mal. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas du tout. Et puis alors, je suis handicapée. Je suis handicapée avec mes mains, je vous assure. Il y a des moments, ça va un peu mieux que d'autres. Mais alors. Ah! Oh, je sens que c'est la fameuse plaque. Je sens. Je le sens, je le sens. Oh là, mais t'es folle, écoute. Elle me l'a mis la 3. C'est une 3D, ça. C'est une 3D. C'est pour ça qu'il y a autant de relief. C'est une 3D. C'est une plaque en bossage à froid 3D. J'ai vraiment énormément de difficultés. Elle est magnifique. Elle est très, très jolie. Hein. Très, très jolie. Hein. Ouais, c'est une 3D, ça. Regardez comme elle est jolie la plaque. Elle est très belle, je te remercie, mais t'es folle. Oh, elle est trop belle. On va l'essayer assez rapidement. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. J'ai le droit, hein. Je te remercie, mais elle est folle. Je vais la remettre pour l'instant là-dedans. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Hop là. Alors ça, je mets là. Hop, t'es folle. Alors un petit mot, tiens un petit mot. Alors un petit mot, c'est quoi? Petit. Ah, un petit défi. Tu dois. Ah, c'est un nouveau format.
Alors. Ah, d'accord. Tu dis que tu es contente, ça va me faire super plaisir. C'est un nouveau défi qu'elle me lance. Mais rien d'obligatoire, bien sûr. Mais moi, j'aime bien les défis, ça m'amuse. J'aime bien, ça me fait travailler mon. Ça me fait travailler mon cerveau, j'adore ça. Tu dois donner ce nouveau format qui en fait est l'emballage des After Eight. Vous savez, les After Eight, les chocolats à la menthe là. Ou pas à la menthe, hein, parce qu'il y en a à la menthe, mais à la base, le premier c'est la menthe, mais ils font plein de parfums maintenant. Orange, myrtille, je sais plus quoi, je ne me rappelle plus, mais il y en a plein. Oui, c'est bien ça. Le thème au choix, mais de préférence sur le chocolat. Thème sur le chocolat. Tu devras aussi donner le nom de ce nouveau format. Et puis voilà, tu dis que tu es contente et puis c'est tout. Tu dis que tu es contente. Je suis tellement contente, hein. Hop là. Donc. Alors, attendez, je vais couper la ficelle. Hop là. Donc, je dois me débrouiller avec ça. Avec ça. Et là, elle a fait aussi sa plaque d'embossage sur le tissu. Hein, la plaque d'embossage, elle l'a utilisée sur du tissu. Regardez, ça rend très bien. On peut embosser, ben ça c'est pareil, je le dis pour les débutantes. Hein, on peut embosser à froid tous les tissus. Et puis aussi, on n'y pense pas assez souvent à embosser nos rubans d'organza, là. Nos jolis rubans de satin et d'organza, les jolis rubans pour enrubanner nos paquets et tout ça, là, ou faire nos. Voilà, on peut les embosser à froid, ça donne un joli effet. Après, on peut les coloriser aussi, mais on peut les laisser juste embosser comme ça, c'est super sympa. Et donc, voilà. Alors, attendez, parce que j'arrive à rien du tout avec mes mains. Je suis vraiment désolée, là, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Donc, elle a fait une jolie boîte comme ça, hop, pour y mettre, donc, hop, l'emballage. Alors. Alors c'est l'emballage After Eight qu'elle a, hop là, voilà, qu'elle a customisé avec du papier, comme ça, patouillé, hein. Et dedans, il y a un petit ticket comme ça, avec la, voilà, hop, hein. Et donc, ça serait un nouveau format, il y a un petit timbre là, attendez, je regarde un peu, je regarde ce qu'elle a fait, hein, pour à l'intérieur, je regarde quelque chose. Est-ce que ça se retire, ça? Oui, ça se retire. Ok, d'accord. Donc, il y a une petite pochette After Eight qu'on customise. Dedans, on y met un petit mot. Enfin, je veux dire, un petit papier comme ça, hein, qui peut être utilisé d'une chute. Et puis, un petit onglet qu'on pourrait mettre comme ça, en onglet, et faire un. Vous savez, à la fin, on pourrait l'accrocher comme ça au sachet. Hop, et puis faire un petit rangement comme ça dans une petite boîte. Vous voyez, elle l'a mis comme ça, mais on pourrait faire une boîte où on accumule les petits After Eight. Hop, et comme ça on pourrait les tirer comme ça dans la boîte. Ouais, je sais pas, par exemple, je vais réfléchir. À moins que tu aies une idée que tu me l'aies pas donnée réellement, parce que là tout est prêt, vous voyez, hein, la petite. Hop, le petit truc, à chaque fois, il y a le petit mot. Hop, et à l'intérieur, le petit onglet. Enfin, le petit onglet, moi je dis onglet, mais. Parce que c'est vrai que j'ai envie de m'en servir comme ça en onglet, vous voyez. Hein? Ouais, mais il était comme ça, là, vous l'accrochez dessus, et puis hop. Je sais pas. Et puis, sur la gourmandise, c'est ça? Le chocolat. Ah non, le chocolat, sur le thème du chocolat. Chocolat, bah, ça serait ouais, je réfléchis. Ça y est, je suis déjà en train de réfléchir. Donc voilà. Eh bien, nous allons réfléchir à ça, hein? Pas de problème. Je te dis pas que c'est pour demain, mais on va y réfléchir, bien sûr, hein? Hop là. Il est joli, son image de fleur, là, elle est très belle. Je vais mettre ça là-dedans et ça là-dedans. Et nous allons réfléchir, réfléchir, réfléchir. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac, ça?
Alors, je regarde ce que c'est. Mon sac à moi. Carrément pratique. Mon sac réutilisable. Ah, bah tiens, c'est bien ça. Mettre dans... Je vais avoir des sacs dans mon sac. Hein. Pratique, utile. Carrément pratique. Hein. Mon sac réutilisable. C'est vachement bien ça pour les commissions. Hein. Ah, si, bah moi. Je m'en sers beaucoup, hein. Bah, comme tout le monde, non? On s'en sert tous. Hein. Hop, je vais mettre dans mon sac. Ensuite, hop là, nous avons... Je vais hop, sortir le reste. Il y a plein de... Oh, la bourrique. Encore des gâteaux. Et ça, c'est fourré à la quoi? À la fraise? Non, à la quoi? Non, je sais pas, attendez. C'est de la graine, alors la farine, ok, hein, du chocolat, de la crème de cacao, du chocolat. Ben si, c'est du chocolat, voilà. Du chocolat, toujours du chocolat. Voilà, c'est des gâteaux fourrés au chocolat. Un peu comme, on appelait ça, on avait des gâteaux comme ça chez nous, comment ça s'appelle? Oh mince, je m'en rappelle plus, j'en ai mangé des gâteaux comme ça, moi. Et puis, on a ça, et puis plein de ça, un petit tag, un petit hop, on arrive à la fin, hein, et plein de bonbons, regardez tous les bonbons, oh là 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 là, plein de bonbons, hein, oh là là, ça c'est bon ça, hein. Il y a Arlequin, si c'est des Arlequins. Alors attendez, hop là, je vais mettre ça comme ça. Il y a des jours où je me sens vieille par les douleurs. Par les douleurs. C'est à cause du temps, ça. Comme il fait froid, humide et tout ça. Oh là, on morfle, hein. Oh là, on morfle quand on a des, on a mal aux articulations, au machin, au corps et tout. Ça recommence. Ça passait, là, mais là, et on... Oh la vache. Vous avez compris que je suis encore en train de me plaindre. Donc, tout plein de bonbons, hein. Tout plein. Bon, je vais laisser là. Alors, ça, c'est des petites tétés mignons. Ça, c'est nénéna. Oui, vive le printemps, c'est vrai, vive le printemps, mais on voudrait bien qu'il arrive réellement le printemps. Parce que pour l'instant, voilà quoi. Oh, vive le printemps avec le petit gnome Marguerite. Hein, il est mignon, hein. Je les ai partagés ça il y a longtemps. Je vous les ai partagés. Il est beau le cœur là, c'est magnifique ça, c'est beau. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est embossé à froid, voilà, c'est très beau, hein, les patouilles qu'elle fait dessus. Très très joli. Les petites coccinelles, trop adorables. Non, je mets ça derrière, avec un petit belly band comme ça derrière, c'est beau. Je vais lire mon petit mot. Bah oui. Hein. Non, je trouve pas que t'as beaucoup écrit. Non, non, non. Bah oui, on est content de te retrouver parmi nous parce que c'est vrai, quand un de nos scrappeurs du cœur a des malheurs, on est triste, quoi. On est triste et puis on voudrait qu'il aille mieux vite possible. C'est difficile, hein, les épreuves de la vie. C'est trop dur, hein. C'est trop dur. Hein. Mais il faut se dire que... Enfin, c'est ce que j'essaye, moi, de me dire chaque jour. On est de passage sur la... On est de passage ici. Alors, c'est un cadeau. C'est un cadeau de pouvoir... je pense, hein. Je connais pas... Je sais pas ce qui se passe après quand on est... Non, j'en sais rien. Je sais pas. Quand on est cané. Je ne sais pas ce qui se passe après. Vraiment, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un cadeau d'être... ce passage sur Terre, avec toutes les épreuves qu'on peut subir. C'est quand même un cadeau. Parce que c'est putain que c'est bon la vie, quoi. C'est on a nos animaux, on a la nature, on a la bouffe, on a les loisirs, on a des gens, on rencontre des gens merveilleux, on rencontre des pourritures, bien sûr, on a des chagrins, on a des peines, mais il y a tellement de belles choses et tellement de choses magnifiques, tellement. On peut faire tellement de choses.
il y a tellement de belles choses à vivre et à faire, tellement, tellement, qu'on n'a pas assez d'une vie, quoi. Elle est courte, la vie, pour faire tout ce qu'on... Enfin, je sais pas, ça dépend peut-être des gens, mais elle est courte, la vie, pour faire tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on voudrait, tout ce que... Parce que des fois, pour réaliser quelque chose, il faut beaucoup de temps. Alors, puis du temps, on n'en a peut-être pas beaucoup. Enfin, on ne sait pas, heureusement qu'on ne sait pas. Mais, hein, c'est... Et c'est ça que, c'est ça qu'il faut... Et quand les gens qu'on aime partent, il faut essayer de se dire, c'est ce que j'essaye de me dire, et que mon papa, il me disait toujours, l'important c'est que tu sois bien, l'important c'est que tu sois heureuse, l'important c'est que tu sois heureuse. Et je me dis, il doit se dire, oh mais punaise, je voulais que tu sois heureuse, hein, tu vas pas pleurer sur mon sort tous les jours. Bon, même si je le fais quand même. Voilà. C'est difficile, vous savez, parce on fait des projets. Moi, j'avais fait des projets dans ma tête avec mon papa. Et du coup, quand il est parti, je me suis dit, bah, mes projets, ils tombent à l'eau, quoi. C'est foutu, quoi. Ça ne sera pas comme je rêvais. Maintenant, ça ne sera pas comme je rêvais. Alors, le temps de faire le deuil, le temps de se réorganiser dans sa tête et de se dire, bah, faut quand même que tu continues, faut quand même. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, plus on réagit vite et moins on perd de temps, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Il y a des coups de blues, quoi. Y a des coups de blues, même si on sait que les gens qui nous aimaient, qui sont partis, ils veulent notre bonheur, ils veulent qu'on soit heureux, ils veulent pas qu'on pleure parce que de toute façon, ça sert à rien, ils reviendront pas. Enfin, en tout cas, ils reviendront pas en chair et en os, quoi. Hein. Ils reviennent par des signes. Enfin, moi, je crois. Après, peut-être qu'on pense ça pour que ça nous aide. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aime bien penser ça parce que ça m'aide. Ça m'aide. Et puis, je crois vraiment, quoi. Des fois, je me pose des questions, je pose des questions et j'ai une réponse à ma façon, qui n'est que la mienne, hein, qui n'est que ma façon d'y croire et de communiquer. Après, voilà. Mais moi, j'y crois et voilà. C'est ça qui m'aide un peu, même si. Voilà, quoi. Donc on est content en tout cas que tu reviennes parmi nous et que tu profites de la vie qui t'est de la vie quoi, de la vie et de tout ce qui tous les bons moments, toutes les belles personnes, toutes les choses qu'il y a à faire, les bonnes choses qu'il y a à manger, hein, ça. Ah, c'est important, c'est important, hein. Et puis voilà, partager ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire. Ouais, faut en profiter, faut en profiter, la vie elle est courte, elle est courte. Elle est courte, elle passe trop vite. Faut vraiment en profiter. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour ça, des fois, on me dit, Angie, repose-toi, Angie, fais-en pas trop, machin. Mais ouais, mais quand je serai canée, je vais rien pouvoir faire. Enfin, je vais pas faire ça. J'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie de faire ça. Ben, tant pis si ça m'épuise. Tant pis si je suis fatiguée. C'est de la fatigue que je veux, moi. C'est pas de la fatigue qu'on m'impose. C'est de la fatigue que moi, je veux. Je fais ce que je veux, non, mais dites donc. Et il faut faire ce qu'on veut, ce qu'on aime, le plus possible, parce qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Parce que si je pouvais faire ce que je veux, ben, il y a longtemps que je l'aurais, mon atelier, machin, un truc, mon musée. Il y a longtemps que j'aurais pris comment on appelle ça, un grand bâtiment, là, et je serais déjà en train de l'aménager et tout ça, machin, un truc de rêve. Ce serait trop beau. Mais on peut pas. On n'a pas gagné au loto. Maintenant, j'y joue pas, de toute façon. T'as compris, quoi. Allez, on voit là, quoi. Donc, voilà, merci pour ton retour, parce que ben, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de savoir que... Ben, voilà, quoi. C'est tellement difficile. Tellement difficile. C'est des passages difficiles. Hein. C'est comme on dit, hein, c'est pas... Ceux qui partent, ben, ils partent, ils sont au repos. Mais nous, on est torturé, hein, on est torturé. Ceux qui restent, hein, c'est ceux qui ont le plus de peine. Hein, c'est dur. Hein. Regardez, c'est joli. Hein. Regardez-moi ça, ces découpes de cœur, comme elles sont très belles. Hein. C'est le yin et le yang. Hein. Regardez comme c'est beau. C'est trop, trop joli. C'est trop magnifique, trop magnifique, trop magnifique. Ah mince, ben, tout se colle à mes manches, moi. Hein, je sais pas comment ça se fait. Tout se colle à mes manches. Elle m'a fait plein de jolies découpes. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh beau, des cadres, des trucs, tiens, pour faire des trucs sur... Magnifique, superbe. Alors attendez, je vais les remettre parce que ça va se coller encore à ma manche et je vais encore les perdre. Alors attendez, hop, je remets au fur et à mesure. Voilà.
Des jolis papillons embossés à froid. Une jolie plaque embossage. Voilà. Là, donc, c'est la plaque qu'elle m'a offert. La plaque d'embossage à froid. Voilà. Le côté négatif. Oh, ils sont beaux tes tags. Oh, j'adore. J'adore. C'est des jolis tags. Regardez avec les bordures là. Ah mince. Regardez, c'est beau hein, les bordures comme ça là. C'est trop joli. Et donc le tag qu'on met par-dessus comme ça décoré. Voilà, ça fait trop beau. C'est trop trop joli ça. Oh, c'est trop magnifique. On adore. On en a fait plein. On en a fait plein de bases. Oh, j'adore. C'est trop joli. J'aime bien cette couleur là. Là. Un kaki. C'est un kaki. C'est trop beau. Là, on met ça comme ça. Voilà. Voilà, hop, hop, on a fait plein. Oh, c'est joli ça aussi. Oh, c'est trop beau. Voilà, comme ça. On m'a fait plein de préparations. Il y a celle-ci sur une patouille avec du craft. Hop. On a fait une base comme ça. Hop. Et puis, hop, comme ça. Je peux travailler comme ça. C'est super sympa. Ensuite, là, c'est plein. Oh, les petits champignons. Oh, j'adore. Oui, hein. Alors, des petits champignons, tout mignon, mignon. Alors, je crois qu'il y en a d'autres. Voilà. Des petits tamponnages de champignons. Voilà. Oh, c'est super sympa ça aussi. Waouh, 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 waouh. Ah ben, ouais, d'accord. Donc, je vous montre ce qu'elle a fait à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des petites découpes de bocaux de champignons. C'est bon les champignons. Une omelette aux champignons, c'est délicieux. Hein. C'est très bon. Donc, elle a fait là, comme ça, puis à l'intérieur, à mon ami, comme ça. Elle est très jolie. Elle, c'est très beau ce que tu as fait. Et là, oh, c'était mignon ça. Ça, c'est des petits pingouins, donc des petits pingouins, des petits pingouins, des petits pingouins. Et c'était trop mignon aussi. Oh, c'est charmant. Et là, c'est bah, c'est les petites poupettes de tout à l'heure. C'est les petites poupettes de tout à l'heure, là. Trop charmante aussi. Adorable. Je te remercie. Oh non, tout ce qu'elle m'a mis ici. Oh la vache. Hop. Voilà. Alors, il nous reste un petit petit losange. Ah, il y a un petit mot. Il y a un petit mot derrière. Un peu de rigolade, ça fait du bien. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a mis, mais elle a mis un peu de rigolade. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? J'ai froid, moi. Ça recommence. J'ai les mains glacées, hein. J'ai lu certaines d'entre vous qui ont remis le Zibron en route, les chauffages et tout ça. Hein. Ah bah si. Hein. Il fait vraiment froid. Il faut faire attention de ne pas tomber malade là. Parce que la crève du printemps, elle dure longtemps. Ça, c'est un proverbe. Si, c'est un proverbe angélique. La crève du printemps dure longtemps. Si, attention. Hein. Protégez-vous, protégez-vous. La crème du printemps dure longtemps. C'est quoi? C'est du ruban? Oh, c'est joli ça. C'est du ribbon. Ribbon, ribbon, ribbon. C'est un joli ruban. Il est beau. Hein. Alors attendez, je regarde un truc, je vais le défaire. Eh bien tiens, vous savez, ça, je peux l'embosser à froid par exemple, avec ma plaque à embossage là. Eh bien, je peux vous assurer que ça ferait un joli résultat embossé à froid. Regardez comme c'est joli. C'est beau. Il est très beau. Ça ferait super sympa. Très très joli. Hop là. Il est très beau. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait un peu bleu, blanc, rouge. Hein. Tiens, pour les Jeux Olympiques, là. C'est bientôt, hein, les Jeux Olympiques. C'est, alors, il y a marqué quoi? Caca? Chaud, 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 cacao. Chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. Si tu veux mes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud, cacao. Chaud, 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 chocolat. Ça se mange, j'imagine. Oh, oh la vache. C'est du... Oh là là, ça doit être bon ça. Oh là là. Oh, oh là là. Trois bouchées, ça doit être. On n'en fait qu'une bouchée. Hein. Il y a trois bouchées, mais on n'en fait qu'une bouchée. Hein. C'est du 70% de cacao minimum, hein, pur beurre de cacao fabriqué ici par nous. Hein, c'est marqué là, ici par nous.
C'était très bon ça, praliné noisette. Hein. Oh là là. Oh là là, ça doit être trop bon. C'est comme les rochers, quoi. Les rochers Suchard. Les grands brillants. Et là. Marinella, tu pues du cul, tu sens le tabac. Marinella, tu pues du cul, tu sens le tabac. C'est pas ma faute. Et ça, c'est trois bouchées au chocolat au lait, aux cacahuètes et fleurs de sel. Mon Dieu, que ça doit être bon. Cacahuètes et fleurs de sel. Si. Cacahuètes. Et là, il y a marqué quoi? Rien du tout. N'importe quoi. Il n'y a rien marqué. Non, j'ai cherché un truc. Eh bien, voilà. Alors, Elma, pour y gâter, comme d'habitude. Hein. Hop là. Je te remercie du fond du cœur, ma petite patouilleuse préférée. Voilà. Je te souhaite plein, plein de bonheur. Parce que, ben, comme tout le monde, tu le mérites. Voilà. Plein de bonheur. Que ton moral. Que le moral revienne. Oui, je m'y attends. Que le moral revienne. J'ai tellement attendu. Il faut que je te souhaite, je te souhaite, il faut avoir le moral. C'est compliqué, je sais. Je sais tellement. Ouais. Et donc voilà quoi. Donc voilà, je t'envoie tout plein d'énormes bisous, tout plein de bonheur, je sais pas. Je te remercie du fond du cœur. On s'est régalé, hein. Autant on s'est très régalé, hein. Très très régalé hein, avec toutes ces bonnes choses hein, et ces petites créations toutes mignonnes, le défi, je vais réfléchir, hein. Emballage After Eight, hein. On les mange à l'heure qu'on veut, hein, parce que After Eight, on fait ce qu'on veut, non mais dites donc, hein. Et alors, si vous avez du Before Eight, eh ben, c'est bien aussi, hein. Et alors, je te remercie pour tout. Hein, je partagerai dans mes envois, je mettrai des patouilles qu'elle m'a mises pour partager, hein, parce que je sais que c'est pour partager, bien sûr, mais je le fais de toute façon. J'ai une petite série d'ATC à faire. Enfin bon, j'ai de l'occupation. Hein, ouais. Je te remercie du fond du cœur. Le plateau, il est magnifique, tout est magnifique. Je te remercie du fond du cœur. Voilà. Je te fais plein de gros bisous, ma patouilleuse préférée. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Prenez soin de vous. Profitez, comme je le dis. Hein, d'un rayon de soleil, parce qu'il n'y en a pas 50. Hein. S'il y en a un, c'est déjà bien. Des petits oiseaux qui nichent, de tout quoi, des petites fleurs qui poussent, de votre jardin, de vos enfants, de, je sais pas, de ce que vous avez quoi. De voilà, de vous faire belle si c'est ça que vous aimez faire, de prendre soin de vous, voilà, de vous faire les ongles. De vous maquiller, de vous coiffer, de faire des essayages, hein, de faire la pretty woman dans votre chambre, dans votre penderie, là, pour faire le tri du printemps et préparer les vêtements d'été, se faire une petite tambouille, là, se préparer un bon petit plat pour celles qui aiment cuisiner, voilà, faire des crêpes aux enfants parce qu'ils vont arriver, j'en sais rien, faire de la couture, faire, je sais pas, ranger vos placards, voilà. Profiter, 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 voilà, de se détendre, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Il y a plein de choses à faire, d'agréable. Hein. Faites ce que vous aimez, prenez le temps de le faire. C'est pas la peine de speeder, de toute façon, ça se fera. Toutes les choses se feront, mais il faut faire le plus possible des choses qu'on aime, quoi, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'aime pas qu'on est obligé de subir, de supporter, que voilà, quoi. Tout le reste du temps, faites quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.